Salut tout le monde, c'est Steph59. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pour le spécial coup de cœur numéro 8 sur Trial Fusion. Donc 4 pistes sélectionnées sur Central des pistes. Donc je vais vous présenter la première piste. Alors la première piste, c'est Gothic Gorge du type Trial, difficulté moyen, et c'est du créateur Raviance. Donc voilà mon classement. Je vais vous présenter mon replay. C'est une course qui se fait en quad, donc avec un bon décor nature. Et c'est parti. Déjà, il y a du vent. 2, 1, go! Et là, ça part très fort. C'est du taquet-taquet. Faut grimper. Alors, un beau décor hein, avec les statues. Faut continuer de grimper. Alors, il y a des gros sauts sur cette piste. Hein. Alors, le décor est juste génial. Moi, j'aime bien. Encore un gros saut, regardez-moi ce décor. Et tout passe tranquillou. C'est du taquet-taquet, il faut grimper. Donc on est bien dans un décor nature-ruine. Beaucoup de statues. Des gros sauts, des explosions, regardez-moi ça. Et faut continuer de grimper. Faut pas lâcher l'affaire. Et là, un gros saut qui nous amène à la ligne d'arrivée. Donc bravo Raviance Plateau pour cette piste. Et on passe à la deuxième piste. Alors la deuxième piste, c'est Urban Frontier Redux du créateur Nicolas Bennett. Du type trial, difficulté difficile. Et voici, je vais vous présenter mon classement et le replay de cette piste. Donc sinon j'espère que vous allez super bien. Et c'est parti, voilà le replay. Déjà il y a un bon bruit de son d'ambiance avant le départ de la piste. 2, 1, go! Et là ça démarre très fort. Faut enchaîner, taquet, taquet. Alors il y a de l'animation sur cette piste. Il faut continuer de grimper. Regardez-moi le bâtiment en arrière-plan. L'hôpital. Un gros saut. Des vaisseaux. Et on accède à la ligne d'arrivée. Donc une piste que j'aime bien. Donc bravo à toi Nicolas Bennett pour cette piste. Et on passe à la troisième piste et c'est prophétique. Type trial, difficulté difficile, c'est du créateur Coupin Gauthier. Donc coucou à toi Coupin Gauthier, hein, on se voit souvent, on se parle assez régulièrement sur trial.fr. Et je vais vous présenter mon replay sur cette piste. C'est parti. Pom, 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 pom. Toujours un petit bruit de moto pour faire patienter. 2, 1, go! Et là, on est sur une ambiance futuriste nature. Ligne de course technique. Là, faut grimper. Faut grimper, faut grimper. En arrière-plan, on repère qu'il y a des rochers qui tombent, qui créent des explosions. Et on continue de grimper. Hop là. Et là j'aime bien le style aquarium avec les pignons. Je trouve que ça fait super bien. On enchaîne les sauts. Et là on accélère taquet taquet. Pour accéder à la ligne d'arrivée. Sur cette petite scène de fin. Bravo à toi Coupin Gauthier pour cette piste. Et on passe à la dernière piste, alors c'est Volcano of the End, type trial, difficulté difficile, et c'est du créateur X-Marcus Rider FR. Donc je vais vous présenter mon classement, le replay de cette piste, une piste qui est... Celle-là, j'aime beaucoup.
Je me suis éclaté sur cette piste. Je trouve que le décor il est super. J'aime bien le volcanique, j'aime bien le volcanique. Donc, moi je trouve qu'elle est fun cette piste. Donc, voilà mon classement. On lance le replay. Et là, pareil, ça va être du taquet-taquet. Déjà le bruit de fond, on est dans l'ambiance. 2, 1, go! Et là, c'est du taquet, faut attaquer. Alors, un saut. Et en fait, faut toujours essayer de rester accéléré tout le temps sur cette piste. Là, j'ai opté pour passer au-dessus, mais on peut passer avant, hein. Regardez-moi les explosions, les sapins qui tombent. Le décor sur cette piste est juste énorme, j'aime beaucoup. La ligne de course est géniale. Et on accède sur cette ligne d'arrivée avec cette petite scène de fin. Donc bravo à toi Marcus Ryder pour cette piste. Donc c'était les 4 pistes que je tenais à vous présenter cette semaine sur le spécial coup de cœur numéro 8. Donc n'hésitez pas à me laisser des messages, à laisser les coms sur les pistes. Dire comment vous avez trouvé, comment si vous les avez déjà essayé ou pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Prochainement, je vais essayer de sortir le prochain spécial créateur Extreme Ninja parce que j'ai pris un peu de retard là-dessus. Donc il faut aussi que je m'en occupe. Sinon, ben je peux vous dire qu'on va se retrouver prochainement sur trial.fr où toutes les infos, les news concernant les trials se trouvent dessus. En plus, il y a des nouveautés sur le site. Et quant à moi, bah, je vous dis à bientôt les amis pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Allez, bye bye!